بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc le thème inshallah de la conférence c'est الرقية الشرعية, c'est-à-dire l'incantation ou l'exorcisme tel qu'il existe dans l'islam. Ou alors le cours on peut aussi l'intituler الرقية الشرعية بين التنزيل والتطبيق. C'est-à-dire l'exorcisme religieux entre les textes révélés et l'application. Donc en fait le cours il est basé sur le livre qui s'appelle justement الرقية الشرعية بين التنزيل والتطبيق. C'est-à-dire les exorcismes ou les incantations religieuses entre les textes révélés et l'application. Du cheikh فلاح ابن إسماعيل مندكار حفظه الله وجزاه الله خيرا. Donc du cheikh فلاح qui était venu ici حفظه الله. Donc il a fait un livre sur le sujet. Donc on va pas lire le livre complètement, mais on va lire des passages. Ça sera ça la base du cours. فذكر الشيخ في الفصل الأول أن القرآن شفاء. فقال حفظه الله تعالى القرآن والشفاء. أولا شفاء القلوب. قال إن القرآن الكريم شفاء للقلوب، فهو يزيل الران الذي يعتريها ويعلوها فيمرضها ويهلكها مما يعرض عليها من الآفات بسبب الخرافات والأوهام والضلالات والبدع، وكذلك بسبب ما يرهقها من الوساوس والخطرات والشبهات، فإن ذلك يجهد القلوب ويملأها بالهموم والأحزان والشكوك ويحملها على الذل والعبودية لغير الله تعالى وعلى الخوف من غيره عز وجل. فالقرآن فيه شفاء من هذا كله لأنه كلام الله الحق، فإنه يتغلغل في القلوب ويصل إلى سويدائها فتسكن وتطمئن، ثم تشعر بالتيقن من وعد الله تعالى والأمن المطلق في الحياة الدنيا وما بعدها. Donc en fait, dans ce morceau, le cheikh dit premièrement que le Coran c'est tout d'abord une guérison des poitrines, une guérison des cœurs. Il dit donc le Coran c'est une guérison pour les cœurs, c'est un soin pour les cœurs, car il enlève la souillure qui touche les cœurs et qui les rend malades et qui les mène à la perdition. Et ces souillures et ces maladies, elles sont causées par al-khurafat, c'est-à-dire les histoires à dormir debout, les légendes, les contes de fées, et aussi al-awham wa-dhalalat wa-bid'a, c'est-à-dire les égarements, les innovations, les fausses pensées, etc. Il dit également les causes à cela, c'est-à-dire à la souillure du cœur et à la maladie du cœur, c'est également al-wasawis, c'est-à-dire les suggestions du shaitan et les mauvaises idées qui traversent l'esprit de la personne, ainsi que les shubuhat, c'est-à-dire les faux arguments et les ambiguïtés qu'une personne peut avoir et à cause desquelles il va ne pas comprendre la vérité. Donc il dit tout ça, les innovations, tout ce qu'on vient de citer, ça remplit le cœur et ça le fatigue et ça le remplit de tristesse, de doute et de soucis. Et également par la suite ça amène le cœur à se soumettre et à s'humilier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être aussi à adorer autre qu'Allah, et également à craindre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit par la suite
que le Coran, c'est une guérison de tous ces maux, de toutes ces maladies-là. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pénètre au fin fond des cœurs, qui fait que les cœurs, ils vont s'apaiser. Et ensuite, ils vont sentir la, c'est-à-dire ces cœurs, avec la parole d'Allah azza wa jal, ils vont acquérir la certitude vis-à-vis de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sécurité, ici-bas comme dans l'au-delà. Donc en fait, qu'est-ce que ça va guérir? Ça va guérir leur crainte. Leur crainte d'autre qu'Allah, elle va être guérie par le fait que grâce au Coran, ils vont craindre Allah Azza wa Jal. Et ils vont avoir la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan. Ensuite, le shaykh, il a cité des versets dans ce sens, mais on va essayer d'aller vite. Thaniyan, shifa'ul uqul. Donc deuxièmement, il est une guérison pour l'uqul, c'est-à-dire la raison de l'être humain, l'esprit, l'intelligence de l'être humain. Donc il dit à ce sujet dans un passage: fal Qur'an al Karim shifa'un lil uqul wa hidayatun wa nurun li tashih masarat al fikr. C'est-à-dire le Coran, c'est une guérison pour la raison humaine. Et également c'est une guidée, c'est une lumière qui va corriger les chemins que la pensée humaine doit emprunter. Li tattafiqa ma al fitrat allati khalaqa Allah ta'ala an-nas 'alayha. Et ça va faire que cette raison, la raison de l'être humain, une fois qu'elle va emprunter le droit chemin dans la façon de penser, elle va être en conformité avec la nature, la fitra sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé les gens. فهو يحرر العقول من ذل التبعية الخاطئة ويعتق الضمائر البشرية لتمارس حقها في التفكير ويطلق الفكرة من القيود ليتدبر ويتأمل ويستقل في ظل حدوده الشرعية. Donc il dit que le Coran libère la pensée humaine du rabaissement et de l'humiliation qu'il y a dans ce qu'il a appelé ici at-tabi'iyatul khati'a, c'est-à-dire le suivi, le mauvais suivi. Le fait, comme il l'a cité dans le passage juste avant que j'ai pas lu, il dit, il explique que le Coran guérit la personne du fait de suivre par exemple l'égarement des ancêtres, du fait de suivre des références qui ne sont pas parfaites et qui sont sujettes à l'erreur. Donc le Coran, il va guérir la personne de ça. Il va guérir la raison humaine de suivre des références comme les ancêtres par exemple qui ne sont pas parfaits et qui peuvent eux-mêmes être dans l'erreur et dans l'égarement. Donc en fait, l'esprit humain et sa raison, elle va être libérée de ce que Shir a appelé ici Qiyud, c'est-à-dire des choses qui enchaînent la raison et qui l'empêchent d'être dans le droit chemin et de voguer dans le droit chemin. Comme par exemple, on l'a déjà cité, hein, l'influence des ancêtres, l'influence de la façon de pratiquer ou des mentalités des ancêtres de la personne. Ce genre d'éléments, ça influe sur sa raison et c'est comme si ça l'attachait. Donc le Coran, en montrant à l'être humain que il ne doit pas suivre ce genre de référence, il ne doit pas imiter aveuglément ses ancêtres alors qu'ils peuvent être dans l'erreur, etc. Et bien, il libère l'esprit pour qu'il réfléchisse tout en étant dans des limites religieuses, des limites que le Coran a tracées. Donc il a cité un verset pour exprimer ça. Donc il a dit قال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. Donc le premier verset, ils ont dit si Ar-Rahman, c'est-à-dire si Allah l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés, c'est-à-dire ces divinités. Et ils n'ont aucun savoir au sujet de cela, ils ne font que yakhrusun, c'est-à-dire ils débattent et ils émettent des présomptions. Am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Nous leur avons donné un livre auparavant pour qu'ils s'y accrochent. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Mais ils ont dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous sommes sur leur trace et nous nous guidons sur leur trace. Donc on voit ici qu'ils ont fait référence à quelque chose qui n'est pas infaillible. Wa kadhalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Et il est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant de toi de messagers
dans une cité, ou plutôt d'avertisseurs dans une cité, sans que Mutrafouha, c'est-à-dire ceux qui sont riches parmi eux et qui vivent dans le luxe, disent « Nous avons trouvé nos pères sur une voie et nous les imitons sur cette voie. » « Qala awala ujitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun » Ils dirent, c'est-à-dire les messagers leur ont répondu, ou plutôt « Qala » le messager leur a répondu, « Même si je vous viens avec quelque chose qui est mieux, ahda » c'est-à-dire il est plus vrai et il est dans une meilleure voie que ce sur quoi étaient vos pères. Donc on voit comment le Coran appelle la raison humaine à se libérer des facteurs qui vont l'influencer et qui vont l'attacher pour qu'elle pense conformément à la vérité en fait, sans être influencée par quelque chose. وفي القرآن الكريم إرشاد للعقول بعد تحريرها من ذل التبعية وتوجيه لها إلى الطريق السوي من جهة صحة النظر وتوجيه الفكر إلى النظر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله تعالى. Donc, le Coran, comme il oriente la raison à se libérer du suivi aveugle de التبعية الخاطئة, c'est-à-dire du mauvais suivi, de l'imitation aveugle, comme on a dit par exemple les traditions, etc. Également, il oriente la raison à la bonne façon de penser. Et il l'oriente à méditer sur tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. مثل أمور الغيب التي غيبها الله تعالى عن مدارك العقول والحواس. Il dit donc, dans cela il y a une guérison pour la raison humaine. Ça va la guérir de la maladie de l'ignorance, ou aussi d'avoir une mauvaise façon de penser qui est déviante, et aussi le fait de penser mais d'avoir des mauvais résultats et de tirer des fausses conclusions. Et également, ça va lui éviter de se fatiguer. De se fatiguer à chercher dans des points alors qu'Allah Azza wa Jal a fait que ces choses sont cachées, font partie du ghaib. Donc le Coran, il oriente la raison humaine à réfléchir sur des choses qui sont présentes, sur des choses qui sont claires, qui sont tout ce qu'on, les créations qui sont dans les cieux, la terre, etc. Non pas à réfléchir sur des choses que l'esprit ne peut pas atteindre. Donc il se serait fatigué, alors que de toute façon, il ne peut pas les atteindre puisque Allah Azza wa Jal les a cachées, des êtres humains. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ensuite il a cité ce verset qui dit: certes dans la création des cieux et de la terre, dans la divergence de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Ensuite il a cité plusieurs versets dans ce sens. ثالثا شفاء النفوس. Troisièmement, la guérison des âmes. Donc on a eu la guérison des cœurs, la guérison de la raison et maintenant la guérison de l'âme. وفي القرآن الكريم شفاء للنفس البشرية وعلاجها وصحتها من أمراض الهوى وأدناس متابعة الملذات وأرجاس تحقيق الشهوات ومن الطمع والحسد وغيرها من الأمراض النفسية والاجتماعية التي تفتك بالنفس وتجعل الإنسان أسيرا لأهوائه وشهواته وسجينا لملذاته وأطماعه ومن ثم يضعف المجتمع. Donc le Coran contient une guérison de l'âme humaine et une façon de la soigner contre les maladies telles que la passion par exemple et toutes les bassesses, le fait de courir après les délices, après les jouissances et de chercher absolument à atteindre al-shahawat, c'est-à-dire les délices, les plaisirs, etc. Et également at-tam' wal-hasad. At-tam', c'est-à-dire la convoitise et la jalousie, le fait de jalouser les gens et de détester voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala chez les autres. Et toutes les autres maladies nafsiyah, c'est-à-dire de l'âme. Et les maladies aussi de la société, parce que ça, c'est en rapport avec autrui. Le fait d'être jaloux, etc., ça c'est en rapport avec autrui. Et il dit toutes ces maladies, en fait, elles font que la personne, l'être humain, il est comme un prisonnier. Pourquoi ? Parce qu'il est prisonnier de ses plaisirs. Tout ce qu'il cherche à avoir et ce derrière quoi il court,
c'est ses plaisirs et ce qu'il convoite des choses de la vie d'ici-bas. Et à ce moment-là, il devient faible et la société, elle devient faible. فالقرآن الكريم يحرر النفس في من هذا الأسر ومن الانقياد وراء الزائل الفاني. Donc le Coran est guéri. L'âme, il la libère de cette emprise, l'emprise des plaisirs, l'emprise de la convoitise et le fait de d'être derrière et de ne se concentrer que sur quelque chose qui va disparaître. الزائل الفاني, c'est-à-dire tout ce qui va disparaître des choses de la vie d'ici-bas. لتسمو برغباتها وأهدافها نحو الكمال البشري ولتعلو عن مواطن العلل والآفات والأمر بالسوء ولترقى إلى أعلى درجات الإطمئنان والقناعة والرضا. Donc pour que l'âme humaine, au lieu de courir vers les convoitises, vers les plaisirs et d'être conditionnée par ça, ce qui est rabaissant pour elle, il l'oriente vers ce qui l'élève, c'est-à-dire qu'elle cherche à s'élever et à acquérir les hautes qualité et la perfection humaine, c'est-à-dire toutes les caractéristiques qui sont de la perfection et de l'excellence d'un être humain. Donc ça, c'est ce qu'il a dit au début en ce qui concerne le fait que le Coran est une guérison à la fois pour le cœur, la raison et l'âme. Et bien sûr, il y a d'autres passages qu'on n'a pas lus. De toute façon, entre parenthèses, le livre, on l'a posé ici. Celui qui veut le lire en arabe, يستفيد, يعني il va en profiter énormément. التداوي بالقرآن. Ensuite il a mis un autre chapitre qu'il a appelé التداوي بالقرآن, c'est-à-dire le fait de se soigner par le Coran. قال حفظه الله تعالى إن هذا الموضوع قد كثر حوله الكلام وطال فيه الجدل والخلاف بين مانع من ذلك جملة وتفصيلا بأدلة عقلية وأقيسة منطقية بزعمه وبين مغال في إجازته معتمدا عليه معرضا عن بذل الأسباب المادية الحسية وعن التداوي بغيره وعن الاستشفاء حتى بما ثبت نفعه من خلال التجربة والدراسة العلمية. Donc il dit ce sujet, le fait de se soigner en utilisant le Coran, c'est un sujet dans lequel les gens ils ont énormément débattu et ils ont énormément divergé. Donc on trouve certaines personnes qui renie ça et qui l'empêche, c'est-à-dire qu'ils l'interdisent. Et ils ont comme preuve des raisonnements, qui prétendent être des raisonnements et de la logique. Et ils disent donc que le Coran, ça ne peut pas soigner. Et de l'autre côté, des gens qui ont exagéré, quand ils ont permis de se soigner dans le Coran, jusqu'à ce qu'ils aient complètement négligé les causes concrètes, les causes matérielles dont l'efficacité a été prouvée par l'expérience, d'une part, mais aussi par ad-dirasa al-ilmiya, c'est-à-dire les études scientifiques d'autre part. Donc il y a des causes, ce qui veut dire ici, c'est-à-dire les soins médicaux par exemple. Donc il y a des causes qui sont bonnes pour se soigner. Comment on les connaît ces causes? Le cheikh a cité deux choses: at-tajriba, l'expérience, et ad-dirasa al-ilmiya, les études scientifiques. Donc la deuxième partie de catégorie de personnes qui ont été dans un extrême, ils vont jusqu'à se passer et renier ou négliger ces causes-là, les causes concrètes, pour ne se consacrer qu'au Coran. وَالْحَقُّ إِنَّمَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْجَافِ وَالْغَالِ. Et le shir dit, la vérité elle est entre les deux, entre ceux qui ont exagéré et ceux qui ont fait preuve de négligence vis-à-vis du Coran. وَيَعْتَدِلُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالْتَفْرِيطِ فَالتَّدَاوِي وَالْاسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ جاء في النصوص الشرعية الثابتة في كتاب الله وإن كانت عامة وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة والمفسرة لعموم القرآن ونصوصه ويقرره العقل والقياس الصحيح ثم التجربة على مر الأزمنة واختلاف الأمصار توضحه وتؤكده لذلك وجب التصديق به والإيمان بما جاءت به النصوص الشرعية وكفى بها. Donc le cheikh explique et dit la vérité, elle est entre les deux. Et le fait de se soigner en utilisant le Coran, ça a été cité dans des textes du Coran et des textes authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si les textes du Coran ils sont généraux, c'est-à-dire ils disent le Coran, comme le cheikh va l'expliquer après, est une guérison, sans préciser pour les corps. Par contre, les textes de la sunna qui est l'explication du Coran, ces textes,
dans les hadiths authentiques pour montrer que le Coran est une guérison en général. Il dit ensuite la raison humaine et al-qiyas al-sahih, la vraie analogie, elle le confirme. Et ensuite, c'est également confirmé par ce qu'on appelle al-tajriba, c'est-à-dire l'expérience. Depuis tout, il dit comme le dit Shir, ala marr al-azmina, c'est-à-dire depuis longtemps. Toutes les périodes sont passées, les époques sont passées, et l'expérience a montré que le Coran soit là. Donc il dit, vu tout cela, on doit croire et on doit avoir la foi que le Coran est une guérison. Awalan, c'est-à-dire qu'on peut se soigner plutôt par le Coran. Awalan, al-istidlalu bima ja'a fil Coran al-Karim. Donc maintenant, Shir va passer à al-istidlal, c'est-à-dire il va ramener les preuves, les arguments pour prouver ça. Donc, premièrement, à partir du Coran. Ja'a wasu al-Quran al-Karim bi annahu shifa'un fi 'iddati mawadi'. Minha قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Donc le Coran a été qualifié comme étant une guérison dans plusieurs sourates. Il dit par exemple le verset dans la sourate Al-Isra, le verset 82, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Et dans la sourate Fussilat, le verset 24, dit « Il est pour ceux qui ont la foi, une guidée et une guérison. » Wa qawluhu ta'ala « Qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi soudour. » Dans la sourate Yunus, verset 57, « Il vous est venu une exhortation de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. » Wa nadhiru fi siyaqi hadhihi al-ayat al-karimat يجد الوصف بالشفاء قد جاء في معرض ذكر أمراض وآفات القلوب ونحوها دون الأبدان. Il dit mais celui qui regarde ces versets et le contexte de ces versets, il se rend compte qu'il parle, c'est-à-dire que la sourate, par exemple les versets qui sont avant, ça parle des maladies des cœurs, pas des maladies du corps. وأما الناظر إلى أصل اللفظ عن الشفاء فيرى أنه على العموم فيتناول الشفاء من الأمراض القلبية والعقلية كما يتناول الأمراض الجسدية والعوارض المادية الحسية. Il dit, et celui qui regarde à la base du mot, c'est-à-dire al-shifa, qui est répété dans tous ces versets, donc suivez bien. Le shir dit, celui qui regarde le contexte des versets, qu'est-ce qu'il dit? C'est que ça part des cœurs. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? Que c'est une guérison pour les cœurs, mais pas pour les corps. Mais celui qui regarde juste le mot shifa, qui veut dire guérison, celui-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire c'est général, à la fois pour les maladies mentales et psychologiques et du cœur, et aussi pour les maladies physiques, c'est-à-dire du corps. Wa khassatan idha nazara fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-gharra wa a'tabara bi tatbiqatihi fa inna ma'na al-umum yata'akkad wa la shak. Il dit surtout, par rapport au deuxième avis, la deuxième façon de comprendre les versets, surtout si on regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans comment il appliquait, on se rend compte que cette deuxième signification, elle existe. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est général, c'est également pour le corps. وَلِذَلِكَ نَجِدُ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَيْنِ. Il dit, c'est pour ça qu'on trouve que les savants, dans cette question, ils ont deux opinions. Donc les deux opinions, qu'est-ce que ça va être? On l'a déjà dit en fait. Voilà. Voilà. Les premiers, ils disent que c'est une guérison pour l'esprit seulement, ou alors un neuf, c'est l'aql, etc., le cœur. Et les autres, ils vont dire c'est général, même pour le corps. Simplement, Shir, maintenant, il va ramener en fait les paroles. Nous, on va en citer certaines. Je n'ai pas coché toutes les paroles. المذهب الأول ذهب بعض علماء التفسير في شرح وبيان الشفاء في كلام الله تعالى إلى أنه شفاء من أمراض القلوب والنفوس والعقول. فهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يشير إلى أنه الاستشفاء من الجهل والضلالة والعمى. Donc il dit, la première opinion c'est qu'ils disent le Coran c'est une guérison simplement pour le cœur, la raison et l'âme. Donc il dit par exemple l'imam des savants du tafsir, Al-Tabari,
Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il a dit que c'était une guérison contre l'ignorance, contre l'égarement et l'aveuglement. Donc c'est-à-dire tout ça, le cœur, la raison, etc. Wa kadhalika al-Imam al-Barawi, rahimahullah, dhakara al-istishfa'a min al-dalalati wal-jahalati wal-ikhtilafi wal-ishkali wal-shubhati wal-hayra hatta qal فهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها. البغوي رحمه الله lui il a expliqué également la guérison par le Coran simplement comme étant contre l'égarement, l'ignorance, la divergence, les problématiques, les ambiguïtés et le doute. Et il a dit il est une guérison des cœurs parce qu'il enlève l'ignorance des cœurs. Donc ça aussi ça va dans le même sens. Et ensuite il a cité également Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Donc al-Tabari, al-Baghawi et Ibn Kathir rahimahumullah ta'ala. Mais le cheikh il a souligné quelque chose d'important un peu après. Il a dit wa ma'a dhalika lam yunkir ahad minhum ash-shifa'a lil-abdan. C'est-à-dire il a dit mais aucun de ces imams n'a renié que le Coran était une guérison pour les corps. Vous allez me dire bah si c'est ce que tu viens de dire. Non. Qu'est-ce que j'ai dit au début ? À partir du verset, par rapport au verset, c'est-à-dire qu'au verset, les versets, qu'est-ce qu'on en comprend ? On en comprend que le Coran est une guérison pour les cœurs, la raison et l'âme, pas pour le corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres preuves qui montrent que le Coran est une guérison pour le corps. Là, on parle du tafsir du verset, tous ces versets qui disent que le Coran est shifa, une guérison. Donc les premiers savants ont dit que c'est les premiers qu'on a cités, que le Coran est une guérison simplement pour, c'est-à-dire à partir de ces versets, mais ils n'ont pas renié que le Coran est également une guérison pour le corps à partir d'autres preuves, mais simplement par rapport aux versets. Donc là on parle de cette divergence, c'est dans le tafsir des versets, pas dans le fait que le Coran soit une guérison ou pas pour les corps. Al-madhhab al-thani, madhhab jumhur ahli al-'ilm fi anna nusus al-shifa والاستشفاء تعم أمراض القلوب والأبدان. La deuxième opinion, c'est la majorité des savants qui disent que les textes du Coran qui parlent de la guérison ou du fait de chercher la guérison, l'istishfa, ça englobe à la fois les maladies du cœur et les maladies du corps. Donc là, il a cité plusieurs savants. Il a dit ici, par exemple, وهذا الألوسي يقرر أن في القرآن آيات وسورا تقرأ للشفاء الجسماني. ثم قال donc il a dit Al-Alusi, l'imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala, il a expliqué que dans le Coran il y avait des versets et des sourates qu'on peut réciter pour guérir le corps, Al-Shifa Al-Jusmani. Et ensuite il a dit wa minha al-Fatiha wa fiha atharun mashhura wa ayatu al-Shifa wa hiya sittun. Et l'imam, donc là c'est ouvrez les guillemets, il a dit et parmi ces versets Al-Fatiha sur lesquels il y a des hadiths qui sont bien connus, et aussi les versets de la guérison qui sont au nombre de 6. Donc là, je vais vous citer les références, comme ça celui qui les veut. Il a dit وَهِيَ سِتْتُونَ قَالَ تَعَالَى وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ dans la sourate At-Tawbah, le verset 14. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ la sourate Yunus, le verset 57. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ la sourate An-Nahl, le verset 69. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين la sourate al-Isra le verset 82 وإذا مرضت فهو يشفين la sourate al-Shu'ara le verset 80 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء dans la sourate Fussilat le verset 44 ثم ذكر يعني الألوسي عن السبكي والقشيري الإقرار على ذلك والتجربة فيه. Et ensuite al-Alusi a cité d'autres savants tels que As-Subki et le Qushayri qui ont également affirmé cela et même l'expérience, c'est-à-dire qu'ils ont expérimenté la guérison du corps par le Coran. Wa amma al-Qurtubi rahimahullah fa dhakara al-qawlayn thumma istashhada lil-thani. Et al-Qurtubi dans at-Tafsir rahimahullah, il a ramené les deux paroles à propos de l'interprétation des versets et il a affirmé la deuxième opinion, c'est-à-dire celle de la majorité des savants. Ensuite le shir dans le livre il a cité Al-Mawardi, il a cité Al-Shawkani. Ensuite il a dit wa yaqulu As-Sa'di rahimahullah ta'ala
فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. Donc ça c'est dans son tafsir, Al-Sa'di rahimahullah, il a dit, donc la guérison que le Coran contient est générale et englobe la guérison des cœurs, point de suspension, c'est-à-dire que plus loin il a dit, et la guérison des corps contre ses douleurs et ses maladies. ويقول ابن القيم رحمه الله maintenant il a cité ابن القيم فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. Il a dit le Coran est une guérison complète contre tous les maux, qu'ils soient du cœur ou du corps, et contre tous les maux d'ici-bas ou de l'au-delà. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. Il a dit, et si le malade l'utilise bien et il le met sur l'endroit, sur sa maladie ou sur l'endroit dont il souffre, avec, en étant véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, et avec iman, avec foi, et avec une acceptation complète du fait qu'Allah azza wa jal va le guérir, c'est-à-dire tawakkul, il a confiance en Allah azza wa jal. Ici il a dit wa qabulin tam wa i'tiqadin jazim, et il croit fermement à la guérison. Et il remplit les conditions, la maladie ne pourra jamais faire face à ça. C'est-à-dire que forcément, il va guérir. S'il utilise le Coran pour une maladie du corps, avec certitude, et en le faisant comme il faut, Allah Azza wa Jal va le guérir. Wa kayfa tuqawimu al-adwa'u kalama rabbil ardi was-sama' alladhi law nazala 'ala al-jibali la sadda'aha aw 'ala al-ardi la qata'aha. Il dit comment la maladie pourrait faire face à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, si elle descendait sur une montagne, elle l'exploserait. Et si elle descendait sur la terre, elle la fendrait. فَمَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَضِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِيلُ الدَّلَالَةِ عَلَى دَوَائِهِ وَسَبَبِهِ. Il dit donc qu'il n'y a pas une maladie dans toutes les maladies des cœurs ou les maladies des corps sans que dans le Coran il y a un chemin qui t'indique comment le soigner et la cause de cette maladie. فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ فَلَا كَفَاهُ. Il dit alors, celui que le Coran ne guérit pas, qu'Allah ne le guérisse pas, et celui à qui le Coran ne suffit pas, alors qu'Allah ne lui suffise pas. Donc ça c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit ça dans Zadul Ma'ad. Ensuite le cheikh dit, en parlant de cette parole, بل نراه يعد الاستشفاء بالقرآن إحياء للسنة النبوية التي هجرها كثير من الناس كما أنه عد هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن وكلام الله تعالى وطلب الشفاء من غيره عز وجل نوعا من هجر القرآن الكريم المذكور في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إلى دي ابن القيم dans son livre, il dit même que le fait de se guérir par le Coran et se soigner par le Coran, c'est une sunna prophétique, une tradition prophétique que les gens ont délaissée. Et il dit également que le fait de ne pas chercher à se soigner par le Coran et à chercher la guérison dans le Coran, ça fait partie du hajr, c'est-à-dire le fait de délaisser le Coran dont Allah a parlé dans ce verset qui dit « Et le messager a dit, ô mon Seigneur, mon peuple ont pris ce Coran comme quelque chose de mahjoura, c'est-à-dire ils l'ont délaissé. Il dit, il fait partie de ce délaissement le fait de ne pas chercher à se soigner avec. Donc on passe au point suivant. Thaniyan al-istidlalu bima ja'a fi sunnati an-nabawiyya. Donc deuxièmement, l'argumentation par ce qui a été cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on va directement lire les hadiths. Il a dit, hafidhahullah, روى الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه واللفظ للبخاري قال إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم. Donc vous connaissez ce hadith qu'on va lire, qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, le hadith d'Abu Sa'id, qui a dit que une partie des compagnons, c'est-à-dire des gens parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, sont passés ou sont allés chez certaines tribus arabes, c'est-à-dire des gens parmi les arabes, et ils n'ont pas accepté de les accueillir, c'est-à-dire ils ne les ont pas accueillis,
ils n'ont pas fait preuve d'hospitalité. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك. Et pendant ce temps-là, le chef de ces gens, il a été piqué. فقالوا هل معكم من دواء أو راق. Donc ces gens ont dit aux sahaba, est-ce que parmi vous il y a un soin, un médicament ou un raqi, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'exorcisme, les incantations. فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. Donc les sahaba ont dit, mais vous n'avez pas été hospitalier, vous ne nous avez pas accueillis, donc on ne fera rien tant que vous ne nous donnez pas un salaire. Et donc ils se sont mis d'accord sur une partie, un nombre de moutons. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفلو فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقع خذوها واضربوا لي بسهم. Donc une personne s'est avancée parmi les sahaba et il a commencé à lire sourate al-Fatiha. Et quand il lit un peu, après il regroupe un peu de salive et il poustillonne sur, c'est-à-dire il crache mais un petit peu, c'est pas vraiment craché, sur l'endroit. Et la personne a guéri au moment. Donc ils leur ont ramené leur récompense et les sahaba ils se sont dit entre eux, on n'y touche pas tant que on n'en parle pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils lui en ont parlé, il a ri le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son rire ici, qu'est-ce qu'il exprime? L'approbation. Et il a dit, quitte à informer que c'était une ruqya, wadribu li bisahm, et donnez-moi une part. Donnez-moi une part. Donc c'est encore plus expressif dans l'approbation, pour leur montrer que c'est licite, puisque lui-même par l'acte il va leur montrer que c'est licite, il va en manger. وروى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. Donc toujours rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah, Aisha radiallahu anha disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait dans son lit, il poustillonnait dans ses mains en récitant Qul huwa Allahu Ahad et Al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les deux sourates, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq et Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Et ensuite avec ses mains, il essuyait son visage et tout ce qu'il pouvait atteindre avec ses mains. Et après elle a dit, Falam mashtaka, lorsqu'il s'est plaint. En fait, ça ne veut pas dire lorsqu'il s'est plaint, c'est-à-dire lorsqu'il a été, il a commencé à être malade, à souffrir, c'est moi qui lui faisais. Donc là, c'est bien corporel. إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الباب. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صنف في صحيحه كتاب الطب بعد كتاب المرض والذي ضمنه بعد ذكره أنواعا من الأدوية العضوية الحسية جملة من الأحاديث التي يتقرر بها الاستشفاء والتداوي والتطبب بالقرآن الكريم مما يتبين به عظيم فقهه واختياره رحمه الله تعالى. Il dit, Cheikh, il y a aussi beaucoup d'autres hadiths authentiques dans ce sujet. Et il dit l'imam al-Bukhari dans son Sahih, après le Kitab al-Marad, le chapitre de la maladie, il a mis Kitab al-Tib, le chapitre des soins, de la médecine. Et il a cité, après avoir cité certains soins corporels, donc des soins concrets, par exemple avec des plantes, etc., il a cité des hadiths qui montrent qu'on peut se soigner avec le Coran. Donc en fait, ça montre le fiqh de l'imam al-Bukhari. C'est comme pour prouver que le Coran soigne tout autant, c'est-à-dire, comme on peut se soigner avec des choses concrètes comme des médicaments, etc., on peut également se soigner par le Coran. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بها يعني الفاتحة آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام ثم صرت أعتمد على ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. Ensuite, il a cité cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a dit
il fut un temps, c'est-à-dire j'ai vécu une période à la Mecque où j'étais malade et je n'avais ni médecin ni soin, et donc je me soignais avec la Fatiha. Je prenais un peu d'eau de Zemzem, je lisais plusieurs fois la Fatiha et ensuite je poustillonnais dans cette eau. Elle n'a pas dit je poussionnais, il a juste dit je lisais plusieurs fois la Fatiha sur cette eau, ensuite je le buvais et je trouvais après ça une guérison complète. Et il dit par la suite, je ne me suis reposé que sur ça pour beaucoup de mes souffrances, de mes maladies, et j'en ai énormément profité. C'est-à-dire qu'il trouvait à chaque fois la guérison. Ça c'est dans At-Tibb al-Nabawi. Ici, il a cité d'autres paroles, notamment de Ibn Hajar, de Al-Aini, qui a cité Al-Khattabi, rahimahullah. Thumma qala al-Shaykh, hafidhahullah, wa laysa ma'na hadha wa lazimahu tarku al-tadawi wa l'istishfa'i bil-adwiyati al-tabi'iyati al-maddiya wa l'ittifa'u bi-qira'ati ayatin min al-Qur'an al-Karim. Il dit, et tout cela ne veut pas dire qu'on se passe des soins et des médicaments naturels ou maddiya, c'est-à-dire matériel, concret, c'est-à-dire les médicaments, les soins, etc. Et de se suffire que de la lecture des versets du Coran. Donc il dit tout ce qu'on vient de dire, ça ne veut pas dire qu'on va se soigner que par le Coran. فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الرُّشْدِ فِي الدِّينِ وَلَا مِنَ الْفِقْهِ لِسُنَنِ اللَّهِ تَعَالَى الْكَوْنِيَّ. Il dit ça, ce n'est pas une bonne compréhension de la religion et ce n'est pas une bonne façon de comprendre سُنَنُ اللَّهِ, c'est-à-dire la création, comment Allah Azzawajal a fait sa création et les lois d'Allah Azzawajal dans sa création. وَلَكِنَّ الشَّأْنَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ وَالْإِنْتِفَاعُ بِالْأَمْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ بَذْلِ الْأَسْبَابِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ مَعَ الْاعْتِمَادِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ التَّوْجِيهُ الشَّرْعِي وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ فَهُوَ النَّافِعُ وَهُوَ رَبُّ الْأَسْبَابِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Il dit en fait, la chose c'est de faire les deux et de profiter des deux. Donc on réunit entre eux le fait de faire des causes concrètes et matérielles, et également le fait de se reposer sur ce à quoi nous a orienté la religion, et que le cœur soit dirigé et accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui an-nafi', c'est-à-dire c'est lui qui donne le bien aux gens, hein, tout ce qui est bénéfique aux gens, et c'est lui Rabbul Asbab, c'est-à-dire les causes, c'est également lui qui les détient et qui en est le souverain. Thalithan al-istidlal bil-aql, troisièmement l'argumentation par la raison, c'est-à-dire du fait que le Coran est un soin. La yuhilu al-aql at-tadawi bil-Qur'an al-Karim wa la yamna'uhu abadan. Kayfa qad ja'a al-khabar as-sadiq bidhalik. Il dit tout simplement, la raison humaine ne dit pas que le fait de se soigner par le Coran est impossible. Et pire encore, il y a des informations authentiques, c'est-à-dire la religion, qui l'a prouvé. والعقل قد صدق المخبر فيما هو أعظم من مجرد الإخبار بالاستشفاء بتلاوة بعض الآيات والسور. Il dit, la raison confirme la révélation dans des choses encore plus grandes que le simple fait de se soigner par des sourates ou des versets du Coran. ثم إنه لا يترتب على التصديق به أمر مستحيل لأن العقل قد قرر أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الفاعل المتصرف في الكون وما فيه من خلق. Il dit ensuite, dans le fait de croire à ça, il n'en découle rien d'impossible, c'est-à-dire que la raison va rejeter. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Au contraire, parce que la raison, elle affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le possesseur. C'est lui al-fa'il al-mutasarrif, c'est-à-dire celui qui gère l'univers et qui gère la création. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْأَسْبَابِ وَالْأَدْوَاءِ الَّتِي لَا تَشْفِي وَلَا تَنْفَعُ بِذَاتِهَا. Et Allah Azza wa Jal, il est le souverain et le maître des causes et des médicaments et des soins qui ne soignent pas par eux-mêmes. C'est-à-dire tout soin et tout médicament, il ne soigne pas par lui-même. Il soigne par ce qu'Allah a mis dedans comme capacité à soigner et comme caractéristique. بل هو الشافي والدافع لجميع الأمراض. C'est lui Allah le guérisseur, الشافي, et celui qui repousse tous les maux et toutes les maladies. وهو النافع والواهب للصحة والعافية. C'est lui النافع,
Al-wahib, c'est-à-dire celui qui fait don aux gens de la santé et de la préservation. Et c'est lui qui parfois empêche les causes de faire leurs conséquences. C'est-à-dire que parfois la personne fait une cause, pourtant le résultat il se fait pas. C'est Allah Azza wa Jal qui fait ça. Comme il a mis dans les causes, al-asbab, ce qu'on appelle asbab, des choses qui font un effet, également parfois il empêche cet effet. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي يجعل فيها النفع سبحانه وتعالى et c'est lui qui met النفع c'est-à-dire le bénéfice et le profit donc c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui met le bien dans les asbab et c'est lui également qui peut empêcher les asbab de ramener du bien donc ça c'est en ce qui concerne al-istidlal ou bil-aql l'argumentation par la raison Cheikh il a encore parlé par la suite mais moi j'ai juste pris ce morceau ثم قال حفظه الله تعريف الرقية الشرعية Ensuite, il a dit quelle est la définition de al-ruqya shar'iyya, l'exorcisme ou l'incantation religieuse. Al-ruqyatu bisukun il-qaf. Donc, premièrement, on dit ruqya, c'est-à-dire sur le qaf, on met une sukun. Al-ruqyatu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prononcent mal. Ils disent, par exemple, je veux qu'on fasse une ruqya. Ils mettent une kasra sur le qaf. Une ruqya. On ne dit pas une ruqya. Ou alors une ruqiyya, il met une shedda sur le ya, avec une kasra sur le qa. Ou alors il dit une ruqiyya. Ruqiyya, ça c'est un prénom. Donc on dit ruqiyya. C'est ça le vrai mot. Ruqiyya, c'est comme ça qu'on dit. Wa yuqalu raqa bil fathi fil madi. Le verbe qui veut dire faire une ruqiyya, on dit raqa pour le passé. Avec une alif maqsura. Wa yarqi. بالكسر في المستقبل في المستقبل et dans pour le présent comment on dit يرقي donc on dit يرقى pardon رقى يرقي vous m'excusez c'est passé 11h passé 11h رقى يرقي ويقال استرقى أي طلب الرقية et on dit استرقى pour dire il a demandé qu'on lui fasse une رقية c'est pour ça il y a le alif le sin et le ta والرقية تجمع على رقان et le pluriel de رقية c'est رقان را قاف ألف مقصورة avec تنوين وتقول استرقيته فرقاني رقية فهو راقي dans cette phrase on a tout استرقيته je lui ai demandé de me faire رقية فرقاني et il m'a fait رقية رقاني donc on a le verbe رقى ruqyatan c'est-à-dire il m'a fait raqani ruqyatan donc c'est-à-dire qu'on appelle ça une ruqya fa huwa raqin donc celui qui le fait on dit raqin si on met alif lam comme on dit ar-raqi là on met le ya si on met pas alif lam si on veut dire un qui fait une ruqya comme on dit raqin si on veut dire le qui fait la ruqya hein, l'exorciste ou je sais pas comment الراقي avec le ya ويقال رق الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته on peut dire également رقيا pour le master ensuite il a cité l'explication de la définition de Ibn al-Athir il a cité la définition de Ibn Manzur tout ça on le passe وعرفها بعض الفقهاء بما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء. Il dit certains fuqaha, certains savants du fiqh l'ont défini comme étant ce par quoi on soigne yurqa bihi, c'est-à-dire les incantations qu'on fait comme invocation pour demander la guérison. Donc des invocations qu'on fait pour demander la guérison. وقال ابن التين الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى الحسنى هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى ولما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني لا إلى cité cette parole de Ibn al-Tin رحمه الله qui disait les incantations الرقى par المعوذات c'est-à-dire les sourates qui protège ou également par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est la médecine rawhani entre guillemets spirituelle
à condition qu'elle soit faite par la langue de quelqu'un qui est pieux. Il dit, mais comme, il dit, si c'est quelqu'un de pieux qui le fait, la guérison elle arrive par la permission d'Allah. Il dit, mais comme ce genre de cette catégorie, quand elle est devenue rare, eh ben les gens ils se sont précipités vers la médecine corporelle, c'est-à-dire la médecine concrète avec des médicaments, parce que les pieux ils sont devenus rares. Al-ruqyatu qabla al-islam. Ici il a dit un point qu'il a nommé al-ruqyatu qabla al-islam. La ruqya avant l'islam, c'est-à-dire l'existence de la ruqya avant l'islam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc le premier hadith qu'il a cité, c'est un homme qui s'appelait Dhimad. Donc c'est Ibn Abbas radiallahu anhu qui raconte. Cet homme il est venu à la Mecque et c'était quelqu'un qui faisait ruqya. Donc ça c'est au début de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faisait ruqya. Il dit ruqya min hadhihi ar-rih, de ce vent. En fait ce qu'il veut dire par le vent ici ou l'air, c'est les djinns en fait, la possession par les djinns, comme le shir l'a mis dans la marche. Et donc il a entendu les idiots de la Mecque qui disent voilà Mohammed c'est un mjnoun, c'est-à-dire il est atteint par les djinns. Et lui il s'est dit peut-être que si je le rencontre, si je vais le voir et je lui fais un exorcisme, un ruqya, Allah va le guérir. Donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit ya Muhammad, je pratique inni arqi, je pratique les incantations ou je pratique l'exorcisme contre les djinns. Et Allah azza wa jal guérit qui il veut par ma cause. Fahal lak, donc est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je te le fasse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu inna alhamdulillah nahmaduhu. Et le cheikh n'a pas cité la fin du hadith. Parce que qu'est-ce qui est voulu dans ce hadith? C'est montrer que cet homme, alors que le message de l'islam ne lui était pas arrivé, il faisait ruqya, c'est-à-dire que ça existait déjà chez les Arabes auparavant. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. Ensuite il y a ce hadith de عوف بن مالك الأشجعي. Il a dit nous pratiquions la ruqya kunna narqi, c'est-à-dire nous pratiquions l'exorcisme dans la jahiliya, c'est-à-dire avant la venue de l'islam. Et donc nous avons dit, après qu'ils se soient convertis, et ils ont dit au prophète, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu, kayfatara fi dhalik, c'est-à-dire qu'en penses-tu, que dis-tu sur cela? Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, exposez-moi vos exorcismes, vos paroles, vos incantations, et il n'y a pas de mal dans les incantations tant qu'elles ne comportent pas de shirk, c'est-à-dire de polythéisme. Qu'est-ce qui est voulu dans ce hadith ici par rapport au sujet? C'est quand il a dit kunna narqi fil jahiliya, nous pratiquions la ruqya avant l'islam. Mashru'iyyatu ar-ruqya. Le point suivant c'est mashru'iyya, c'est-à-dire le fait que la ruqya est légiférée ou existe ou est permise dans l'islam. Awwalan raqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nafsahu. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la ruqya sur sa propre personne. An Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. هذا متفق عليه.
Donc Aïcha, on l'a déjà lu tout à l'heure, là c'est une autre version. Dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait au lit, chaque nuit, donc il réunissait ses mains, il poustillonnait dedans et lisait les trois dernières sourates. Et ensuite, il les passait sur sa tête, son visage et le devant de son corps, et ensuite tout ce qu'il pouvait de son corps. Et il le faisait trois fois. Donc là, c'est une ruqya sur soi-même. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما وهذا في سنن الترمذي رحمه الله. Ensuite il y a ce hadith d'Abu Sa'id رضي الله عنه qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ, c'est-à-dire il cherchait la protection contre les djinns et contre l'ayn, le mauvais œil, jusqu'à ce que soit révélé al-mu'awwidhatain, c'est-à-dire les deux dernières sourates. C'est-à-dire qu'auparavant, il recherchait la protection d'Allah par d'autres paroles. Et il a dit, et lorsque ces deux sourates sont descendues, il s'est contenté de ces deux sourates. Donc là encore, qu'est-ce qu'il veut dire par ce hadith? C'est qu'il se fait lui-même protection, c'est-à-dire il cherche la protection par des incantations pour sa propre personne. ثانياً رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. Deuxièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم a pratiqué la ruqya sur autrui. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيه أنت إشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وهذا أخرجه البخاري ومسلم. Donc Aïcha رضي الله عنها raconte que le prophète صلى الله عليه وسلم implorait la protection, يعوذ, c'est-à-dire il fait une protection, il demande la protection d'Allah pour certaines personnes de sa famille en posant sa main droite et en essuyant, en l'amassant par sa main droite et en disant la dua qui est citée ici. Ô Allah, Seigneur des hommes, Seigneur des gens, fais partir le mal, guéris-le. C'est toi Ash-Shafi, c'est-à-dire c'est toi le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse pas de maladie. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله تمت من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. Et Ibn Abbas a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait cette prière pour cette incantation pour Al-Hassan et Hussein. Al-Hussein رضي الله عنهما, et il leur disait votre père, c'est-à-dire Ibrahim, le faisait pour Ismaïl et Ishaq. Et ensuite il disait la dua que vous avez entendue. Donc ça c'est rapporté par البخاري رحمه الله. ثالثا رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. Troisièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم a été c'est-à-dire autre que lui a pratiqué la ruqya. C'est-à-dire des personnes, ou plutôt autre que le prophète صلى الله عليه وسلم a pratiqué la ruqya sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc on a le premier cas, c'est sur lui-même. Le premier cas c'est sur autrui. Le premier cas c'est quelqu'un, une autre personne qui le fait sur lui sallallahu alayhi wa sallam. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. Donc عائشة رضي الله عنها dit lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى, c'est-à-dire lorsqu'il souffrait, raqahu Jibril. Jibril lui faisait ruqya. Et il disait Bismillah yubrik, au nom d'Allah, qu'il te guérisse. Wa min kulli da'in yashfik, qu'il te guérisse de toute maladie. Et contre le mal d'un jaloux, lorsqu'il jalouse. Et contre le mal de toute personne qui, min kulli dhi'in, toute personne qui atteint avec son œil. Ça c'est rapporté par l'imam muslim rahimahullah. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد
اشتكيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وهذا في صحيح مسلم. أبو سعيد rapporté un hadith semblable où il a dit que Jibril عليه السلام est venu au prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit اشتكيت, c'est-à-dire est-ce que tu souffres de quelque chose, et lui a dit oui. Et alors il lui a dit bismillahi arqik. Donc bismillahi arqika, pour traduire ça en français c'est un peu compliqué. Donc au nom d'Allah je t'exorcise, je te soigne, min kulli shay'in yu'dhik, contre toute chose qui te nuit, wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid, et contre le mal de toute âme ou tout œil envieux. Allahu yashfik, Allah te guérit, dans le sens qu'Allah te guérisse. Bismillahi arqik, au nom d'Allah je t'exorcise. Rabi'an ya'muru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yandubu ghayrahu fi ar-ruqyati wa yurakhkhisu fiha. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à autrui de faire la ruqya, ou il le recommande ou il le permet. On a les trois par sa parole, c'est-à-dire qu'il le recommande ou alors il l'ordonne ou alors il le permet. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. Donc ici c'est Um Salama رضي الله عنها qui raconte que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu dans la maison de Um Salama une jeune fille ou une esclave qui avait dans son visage, comme il est écrit ici, سفعة. Dans la marche, Cheikh, il a ramené plusieurs explications, par exemple comme une couleur jaune ou une couleur noire dans le visage, c'est-à-dire une couleur qui n'est pas la couleur habituelle du visage. Et donc quand il l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de la maison istarqulaha, c'est-à-dire faites-lui ruqya car elle a un nadra, c'est-à-dire car elle souffre du ayn, dans une des explications du mot al-nadra. Donc là il a ordonné qu'on lui pratique. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa an Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi radiyallahu anhu annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundhu aslam. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. وهذا في صحيح مسلم رحمه الله. عثمان بن أبي العاص الثقفي il raconte que depuis qu'il s'est converti رضي الله عنه il avait une douleur dans un endroit de son corps. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit mets ta main à l'endroit qui te fait mal et dis bismillah trois fois, et ensuite tu dis sept fois أعوذ بالله وقدرته, je cherche la protection par Allah, auprès d'Allah et de sa capacité, min sharri ma ajidu wa hadir, contre le mal que je trouve et que je crains. Donc là il lui a ordonné ou il lui a recommandé al-ruqya. Wa an khawlat bint hakim radiyallahu anha qalat sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Wa hadha fi sahih muslim rahimahullah. Khawla bint Hakim radiallahu anha elle a dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire man nazala manzilan, c'est-à-dire celui qui va, comment on dit en français, qui va passer la nuit, quoi. Il va poser son campement, par exemple il va descendre. Man nazala, ici le verbe il veut dire descendre, c'est dans le sens où il va aller dans un endroit, par exemple il est en voyage et il va se poser dans un endroit, il va camper par exemple, il va poser son campement dans un endroit. Ça s'applique aussi à tout endroit où la personne elle pourrait dormir, c'est-à-dire elle va rester. Donc la personne lorsqu'elle reste dans un endroit, on va traduire comme ça, si elle dit je cherche la protection par les paroles d'Allah parfaites contre le mal de ceux qu'il a créé, s'il dit ça rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Donc là aussi c'est une sorte de ruqya, parce que c'est rechercher la protection d'Allah par des paroles. Ça c'est dans Sahih Muslim.
خامسا يقر الرسول صلى الله عليه وسلم غيره على الرقية. Cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve autrui sur la ruqya. Donc on a vu, il l'a fait, il l'a dit de le faire, maintenant on a l'approbation. An Jabirin radiyallahu anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani ruqa, fa jaa alu Amr ibn Hazm ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa qalu ya Rasulallah, إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. Donc ça c'est dans Sahih Muslim. Jabir رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم avait interdit الرقى, les incantations. Donc la famille de Amr ibn Hazm sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, ô messager d'Allah, nous avions une incantation qu'on pratiquait contre les scorpions. Or, tu as interdit les incantations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le rapporteur du hadith a dit, et ils lui ont dit cette incantation. Ils lui ont exposé ses paroles. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la arab asan, je n'y vois pas de mal, celui qui peut être utile à son frère, qu'il lui soit utile. Donc là ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cette incantation que ces gens connaissaient et avaient l'habitude de pratiquer. Wa kadhalika iqraruhu sallallahu alayhi wa sallam lirraqi kama jaa fi hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et aussi le hadith d'Abu Sa'id de tout à l'heure quand avec les bédouins quand ils ont un des sahaba radiyallahu anhum quand il a lu la Fatiha sur la piqûre du scorpion etc. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ri pour approuver ce qu'ils avaient fait. Anwa'ur ruqa, les différentes sortes d'incantations ou d'exorcismes, c'est-à-dire de ruqa. Anwa'ur ruqa min jihati dawa'i qira'atiha. Donc le cheikh ici, en fait, dans ce chapitre, Anwa'ur ruqa, les différentes catégories de ruqya, il va faire selon, c'est-à-dire comment on peut voir les ruqya. Par exemple, la première c'est les catégories de ruqya selon ce qui demande de le faire, c'est-à-dire selon les causes. Après, par exemple, il va dire les différentes catégories de ruqya selon ce qu'on récite, c'est-à-dire il va faire plusieurs points avec différentes façons de classer ou de différencier entre les ruqya. فَأَوَّلًا تُقْرَأُ الرُّقْيَةُ لِدَفْعِ الْبَلَاءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ. Donc premièrement, donc quand il a dit les différentes catégorie de ruqa dans le pourquoi, c'est-à-dire dans les causes pour lesquelles on lit et on les lit. Premièrement, on peut lire une ruqa, faire une ruqa pour repousser un mal avant qu'il n'arrive. Ça veut dire que j'ai rien, je vais faire une ruqa pour ne rien avoir. Et puis pour quelque chose il ne m'arrive pas. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'awwidh al-hasan wa al-husayn al-hadith. Donc premièrement déjà il a cité le hadith de Al-Hassan et Hussein qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'était alors que Al-Hassan et Hussein ils étaient en bonne santé. Donc ils n'avaient rien. C'est pour protéger de quelque chose qui pourrait venir. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في أول يومه أو في أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. Ensuite il y a ce hadith de Uthman رضي الله عنه qui dit j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire celui qui dit au début de sa journée ou au début de la nuit بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. C'est-à-dire, au nom d'Allah, alladhi la yadurru ma asmihi shay. C'est-à-dire, au nom d'Allah qui, ou dont, je ne sais pas comment on peut dire en français, rien ne nuit avec son nom. La yadurru ma asmihi shay. C'est-à-dire, je cherche refuge par le nom d'Allah, alors que rien ne peut nuire avec le nom d'Allah. Wa huwa as-sami'u al-alim. Et il est as-sami'u al-alim. L'audient et l'omniscient. Celui qui dit ça donc trois fois, rien ne lui nuira dans cette journée ou dans cette nuit. Ça c'est rapporté par, il dit ici, l'imam Ahmed
rahimahullah, et c'est authentifié notamment par Cheikh Al-Albani rahimahullah. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Donc ensuite il y a ce hadith d'Abu Mas'ud dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite les deux derniers versets de la sourate Al-Baqara dans une nuit, elles lui suffisent. C'est-à-dire elles lui suffisent, dans quel sens? Il sera protégé, il n'y a rien qui va l'atteindre. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa taqaddama hadith Muslim an Khawlat bint Hakim ila akhiri. Donc on a vu également le hadith tout à l'heure pour celui qui descend dans un endroit. Donc à la base, il a rien, c'est pour se protéger de ce qui pourrait le toucher. Thaniyan tuqra' ar-ruqyah li raf'i al-bala' ba'da wuqu'i. Et deuxièmement, donc c'est logique. Premièrement, c'était on peut faire la ruqya quand il n'y a rien, mais pour éviter que le mal arrive. Et deuxièmement, on peut lire la ruqya quand il y a un mal, pour l'enlever. قد تقدم ذكر طائفة من الأحاديث المرفوعة الصحيحة في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها في رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وشكواه. Donc on a déjà vu à ce sujet les hadiths. Le hadith de Aïcha quand elle disait que Jibril il faisait ruqya au prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il souffrait. Donc là, la souffrance elle est présente. La ruqya elle vient pour enlever cette souffrance. Aussi le hadith de Uthman ibn Abi al-As quand il avait mal et le prophète il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, pose ta main, récite telle et telle parole. Et également la ruqya qu'il se faisait lui-même sallallahu alayhi wa sallam, etc. etc. Anwa'u ruqya min jihati ma yuqra'u bihi. Maintenant les catégories de ruqya, donc là c'est une différente façon de voir les ruqya par rapport à ce qu'on y récite. Au début c'était les catégories de ruqya par rapport à pourquoi on les fait. Maintenant c'est par rapport à ce qu'on y dit. ثبت فيما تقدم ذكره قراءة سورة الفاتحة كما في حديث النفري الذين انطلقوا في سفر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للراقي قراءة سورة الفاتحة وأنها رقية. ساكلة عائشة شكونا سارة minuit. On va s'arrêter là, inshallah. On continue demain. J'arrive plus à lire. On va finir juste ce point. Donc premièrement, awwalan ar-ruqyatu bil Qur'an al-Karim. Premièrement la ruqya par le Coran. Donc Cheikh dit, on a déjà vu tout à l'heure la ruqya par al-Fatiha dans le hadith de Abi Sa'id. Wa thabata kadhalika anna surata al-Baqarah ruqyatun nafi'atun كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا في صحيح مسلم. Il y a également des hadiths qui montrent que البقرة سورة البقرة est une ruqya. Comme ce hadith où le prophète a dit صلى الله عليه وسلم lisez la سورة البقرة car le fait de la prendre, akhdaha, c'est-à-dire de l'utiliser, est une baraka, c'est un bien, la délaisser est une perte, et la tastati'uha al-batala, c'est-à-dire les sorciers ne peuvent pas y faire face. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Wa hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا في صحيح مسلم. Et le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ne faites pas de vos maisons des cimetières. Le shaitan fuit d'une maison dans laquelle on récite la sourate al-Baqara. وثبت كذلك أن قراءة آية الكرسي من الرقى النافعة بإذن الله تعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين كان يحرس الصدقة وجاءه شيطان في صورة رجل يسرق الطعام فقال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية.
Ensuite, il a cité aussi également par rapport à Ayat al-Kursi, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel hein, il gardait le sadaqa, c'est-à-dire il gardait les aumônes et la zakat, et un shaytan à chaque fois il venait, etc. Comment s'est fini le hadith? C'est que le shaytan qui venait à Abu Huraira sous la forme d'un homme, il lui a dit donc, lorsque tu vas dans ton lit, récite le verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin. Si tu le fais, tu auras un protecteur. Tu auras de la part d'Allah un protecteur et le shaitan ne t'approchera pas jusqu'au matin. Le protecteur ici, c'est un ange. Donc le shaitan ne l'approchera pas, il sera préservé jusqu'au matin. Et lorsqu'il a raconté ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a approuvé. Donc ici, on a par rapport à Ayat al-Kursi. وثبت كذلك أن قراءة المعوذات من الرقى النافعة وقد تقدم ذكر النصوص الدالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ومن فعل غيره له صلى الله عليه وسلم. On a également les hadiths qu'on a vu tout à l'heure avec les dernières sourates du Coran, المعوذات, et d'autres textes dans la sunna des paroles du prophète ou de ses actes ou des actes d'autres personnes, etc. Donc tout ça c'est par rapport à la ruqya avec le Coran. Deuxièmement, la ruqya par les invocations et le rappel d'Allah. وقد ثبت ذلك كما في أحاديث وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ووصيته لأصحابه وقد تقدم ذكر طائفة لا بأس بها. Donc également toutes les preuves, on les a déjà vues. Par exemple, hein, le hadith avec Hassan et Hussein, le hadith avec le sahabi qui se plaignait d'une douleur. Donc à chaque fois les ruqya dans ces hadiths, qu'est-ce que c'est? C'est pas des versets du Coran, c'est des paroles. Bismillah, ou alors le hadith de Jibril aussi, Bismillah arqiq min sharri ma yu'dhik, etc. Ça ce sont des invocations, c'est pas le Coran. Donc il y a des ruqya qui sont en récitant le Coran, et il y a également un ruqya avec certaines paroles, certaines invocations. Je vous dis un peu le sommaire de demain. Alhamdulillah, on a fait la moitié déjà. C'est pour ça que j'enlève des passages. Parce qu'à la base, le livre, si on le lit, il faudrait 8 cours, normalement. C'est à 80 pages. Donc on a bien avancé. Donc en fait, la suite, qu'est-ce que c'est? On a fait un ruqa. Le jugement des ruqa d'avant l'islam. Et des ruqa, des incantations, des exorcismes des chrétiens et des juifs. Ensuite, les conditions et les points à respecter dans la ruqya. Donc, dans la ruqya, dans celui qui la pratique et dans celui pour qui on la pratique. Après, il va parler du lien entre la ruqya et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi l'application, c'est-à-dire il va citer certaines choses dans tout ça, inshallah ta'ala, et également à la fin les innovations dans les bid'ah dans la ruqya. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.